Elles sont venues réclamer leur messager. 16 jeunes femmes, des disciples de Papa Sané, crient leur colère et exigent le retour à Saint-Louis du présumé gourou placé sous contrôle judiciaire. On veut qu'il revienne. Il n'avait aucun droit de l'interdire de remettre des pieds à Saint-Louis. Laissez-nous vivre nos choix. On n'a rien fait. On est en France. Oui, on a des droits. On a des droits, oui ou non? On a choisi de le suivre, de suivre ses enseignements. Il y a pas de, on a fait aucun crime. C'est notre droit que de l'avoir choisi. Donc nous, on le veut. Parmi elles, une jeune femme de 21 ans. La semaine dernière, son père l'a entraînée de force hors de la maison où Papa Sané enseignait son culte. Aujourd'hui, elle manifeste avec les autres adeptes. Ce matin, elle a porté plainte contre son père pour agression et menace. J'étais choquée même le fait qu'ils me disent que tant que je serai en train avec ici, avec les filles, il ne sera pas tranquille. Et il préfère même me tuer, m'étriper le cœur et pour que sa conscience puisse être tranquille. Les jeunes femmes menacent aujourd'hui de rester devant la gendarmerie tant que Papa Sané ne sera pas relaxé.